savais que tu allais venir. Je te l'avais promis. Bien sûr, mais je l'ai pressenti. Je l'ai deviné avant que tu arrives. Tes pouvoirs sont de plus en plus grands, Muriela. Le temps passé ensemble a été fructueux. Laisse-moi. Il faut que tu partes. Tu veux que je parte? Chaque fois qu'on se voit, j'ai l'impression... L'impression d'être épuisée, vidée. C'est seulement parce que tu es amoureuse, c'est normal. Tu es bien sûr de savoir ce qu'est l'amour. Je sais que des poètes sont prêts à mourir pour lui. Tu serais prêt à le faire, toi? Je serais prêt à faire un poème. Qu'est-ce que mon père en dirait? Ce monde est plein de choses que ton père ignore. Cela en fera une de plus. Sacrilège, c'est de la folie, Galiane. Tu as dépassé les bornes. Puissent les dieux nous protéger. Tire plus fort, Zef. Serre-toi de tes jambes. Non, il ne veut pas venir. Les plus gros résistent davantage, c'est normal. Ce qui est précieux est toujours plus dur à obtenir. Ça y est. Je voulais juste les faire partir. S'ils laissent les récoltes tranquilles, je les tue pas. Voilà le cochon. On fait comme d'habitude. Tu lui gardes du blé pour l'hiver? Comme d'habitude. On change pas un bon accord. Ah, la sécheresse a fait du mal cette année. Ah, j'en ai vu des plus rudes. Le roi est en train de recruter. Être soldat du roi, c'est une bonne place. J'ai cette terre. C'est suffisant. C'est triste de ne travailler que pour survivre. T'es pas tenté de mettre ta vaillance à profit? Assurer juste sa pitance n'en demande pas beaucoup. Écoute, farmer, ça te contrarierait tant que ça qu'on parle une minute. On n'est pas des animaux. Les gens aiment bien se dire des choses quand ils se rencontrent. Si je savais dire à tous ces légumes de sortir de terre, j'y manquerais pas. Quand la pluie tombe, le sol se change en glaise. Et pourtant, il n'y a rien à faire, leur parler, ça sert à rien. Ton père ne se laisse pas impressionner, Zef. Quoi qu'on lui dise, il sait répliquer. Allez, Zef, va jouer un petit peu. D'accord. Tiens, profite-en pour prendre quelque chose. Tu restes souper? Puisque t'insistes... Je suis si contente de te revoir, Norik. Pourquoi ne viens-tu pas plus souvent? Il me semble que Farmer m'a assez vu pendant toute son enfance. Maintenant qu'il est chef de famille, il a peut-être besoin que je le laisse un peu respirer. Norik a dit que papa devrait quitter la ferme pour entrer dans l'armée. Oh, attention, Zef, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Il a dit que les soldats de l'armée du roi étaient bien payés. Je suis persuadée que tu n'as aucune envie de donner suite. J'aime ma famille, je n'ai pas l'intention de partir. Est-ce que ça répond à ta question, Norik? Oh, j'avais dit ça juste, histoire de causer. Chacun de nous a des talents cachés. Toi, tu as l'art de savoir faire la causette. Et toi, tu as l'art de laisser tes amis mourir de faim. Est-ce que je peux prendre du poulet? Non, il ne le mérite pas. Le poulet, tout de suite. Dis-moi quelque chose de gentil.
dis-moi si tu m'aimes. Tu le sais bien. Je ne sais rien tant que tu ne me le dis pas. Et tu ne m'as rien dit. Allez, regarde-les. Ces mains usées prouvent nos rien. Est-ce qu'elles n'en disent pas davantage que les mots? Ça demande un si grand effort de parler. Sana, qu'attends-tu de moi? Devine ce qu'une femme peut attendre. Un peu de passion. Un peu de passion. Bien, je pense que pour cette fois, on s'est compris. C'est le moment de partir. Pourquoi tu ne peux pas venir avec nous? J'ai toute la récolte à faire. Tu te souviens? Pour les hommes qui ont mené leur vie honnêtement sans rien à se reprocher. Le courage ne manque jamais. Et c'est très vrai. Je déteste dormir sans toi. Soyez prudent. C'est à Stonebridge. Là-bas, rien ne peut arriver. Pourquoi on n'appelle jamais papa par son prénom? Hein? Pourquoi? Ton père estime que les gens sont les fruits de leur travail. Norik l'a amené à Stonebridge quand il était très jeune. Mais Norik n'est pas son père? Non, tout le village l'a adopté. Différentes familles l'ont accueilli à plusieurs reprises. Mais Norik a veillé sur lui bien plus que tous les autres. Au moins, il y a une famille aujourd'hui. Je suis fière que ce soit nous. Oui, moi aussi. Général. Majesté. Le roi vous écoute, soldat. Votre Majesté, les Krugs viennent de constituer une véritable armée. Ils combattent avec des épées. Oh, voyons, c'est ridicule. Vous qualifiez d'armée une meute de chiens. Ils se battent vraiment. Ils ont exterminé un de nos détachements d'éclaireurs. Si le général ne m'avait pas chargé du rapport, je serais mort sur place. Cela relève de la sorcellerie. Ça y est, je te tiens. Maintenant, je te mets dans le four. Tout noir dans le four. Ah, on y est au sec. Et bien au chaud. Tu n'as pas envie qu'on te mange tout cru, non? Pourquoi tu veux me manger? Parce que j'ai promis à ton grand-père qu'il mangerait au dîner de ce soir ce qu'il aime le plus au monde.
les ventes ont été bonnes au marché? Ça peut aller, oui. Bien sûr, certains hommes ont discuté le prix parce qu'ils avaient une femme face à eux. Cela, je les ai fait payer davantage, parce qu'une femme vaut plus cher. C'est bien fait pour eux. Ça leur apprendra à se croire meilleurs que les autres. J'en ai toujours fait qu'à ma tête, c'est tout. Enfin, jusqu'à ce qu'elle rencontre ton père. Parce que lui, il n'est pas du genre à recevoir n'importe quel ordre. La garde. On va le voir. Fais bien attention. C'est pour lancer l'alarme qu'on a édifié le beffroi. Si on fait sonner la cloche, ça veut dire qu'il faut aller au combat. Des animaux. Ils n'ont pas plus d'armure que d'épée. Faut que je prenne ton cheval, Norik. Où vas-tu? À Stonebridge. Solana et Zeph sont là-bas. J'irai avec toi. Farmer n'est pas venu? Non. Il me laisse aller vendre les récoltes pendant qu'il travaille à la ferme. Tu t'es trouvé un bon époux. Il t'aime de tout son cœur. Oui. J'en suis également convaincue. Au moment où les futurs mariés s'embrassent, la cloche sonne 5 coups pour annoncer leur union à l'ensemble du village. Va-t'en. Pars tout de suite. Rentre chez vous avec Zeph. Emmène-le chez vous. Tu pourras mieux le protéger qu'ici, père. Est-ce que vous êtes prête? Comme toujours, général. Attendez. Est-ce que vous abandonnez déjà? Vous progressez à une vitesse remarquable. Quel dommage que le royaume d'Eb ait peu de soldats aussi brillants que vous. Alors acceptez-moi dans vos rangs. J'ai bien peur que les officiers d'Eb ne soient pas prêts à accueillir des femmes soldats. Et en outre, croyez-vous que votre père serait d'accord? Mon père ne me laisse jamais faire ce que je veux. Tarish, il faut mettre nos troupes en état d'alerte. Des hordes de Krug viennent dévaster nos campagnes. Ah, je vais encore avoir des coups de soleil. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Contente-toi d'obéir aux ordres. Je n'en reçois que du roi. N'oublie pas qu'il n'y a pas que le roi que tu dois considérer avec respect. Le respect, ça se gagne. Ça dépend chez qui? Moi, je le mérite de par ma naissance! Ah!
crois. Elle a sonné l'alarme. Ne t'inquiète pas, Zef. Je vais la retrouver. Non, papa! Bastien! Prends mon épée. Rentrez dans la maison. Et verrouillez tout. Viens, dépêche-toi. Merci, père. Courage! Qui ne manque pas de faïence. Cette fois, c'est ton tour. Tu m'as déjà tué une fois aujourd'hui. Et regarde, je suis toujours devant toi.
Il faut aussi une sépulture pour Solana. Personne ne l'a vu. Personne ne sait rien. Son corps n'a pas été retrouvé. Elle a peut-être réussi à fuir. Il a raison. Gallian! Où étais-tu passé? Ça fait longtemps que je te cherche. J'ai fait plein de choses. J'ai bien travaillé. Nous avions conclu un pacte. Je t'ai laissé pénétrer dans mon château pour que tu te mettes au service de nos intérêts. Je m'y suis mis tout de suite. Je pense que les événements récents montrent assez clairement ce qui m'a tant accaparé. Et qu'est-ce qui t'a obligé à faire tout ce tapage? Tu dis que j'ai fait du tapage? Attends, prince héritier. Parle-moi d'un homme appelé Farmer. Habitants de Stonebridge, les armées du royaume d'Eb compatissent à votre douleur. Les crimes qui vous ont frappés seront vengés. Que faisait l'armée pendant que les Krug nous massacraient? Paysans! Tu ne sembles pas savoir à qui tu viens de parler. Dans le monde d'où tu viens, on ne s'incline pas devant son roi. Dans le monde d'où je viens, l'armée est là pour protéger tout le royaume. Et pas que le château. Et ceux qui ont été enlevés par les Krug? Les Krug ont fait des prisonniers. Silence! S'il est vrai qu'ils ont emmené des gens avec eux, nous ne savons pas encore quelles sont leurs intentions. L'armée royale enrôlera tout homme qui sera en mesure de se battre. Qui veut nous rejoindre? Le roi a ses troupes qui veillent sur lui. Les prisonniers ne peuvent compter que sur leur famille. Vous osez braver les désirs de votre roi? Je te suis, Farmer. Garde! Laissez-les partir. Je ne retiens personne par la force. J'ai pris un risque en tournant le dos au roi. Toi aussi, tu l'as pris. Je n'ai pas le choix, Solana est mon épouse. C'est ma sœur. Très bien, allons-y. Reste ici. Engage-toi dans l'armée royale. Tu apprécies la vie des soldats, je crois. Non, je déteste tous les uniformes. Tu as un cheval? Une jument. Une vieille bête, mais toujours robuste. Vieille bête? Mais toujours robuste. Vous êtes sur mon chemin? Nous nous sommes déjà rencontrés, non? Dis-moi quelque chose de gentil. Dis-moi si tu m'aimes. Tu le sais bien. Je suis Merrick, le mage du roi. Je sais qui vous êtes. Les enfants aiment beaucoup la magie. Votre roi a besoin de vous. C'était aussi le cas de mon fils. Mais je n'ai pas pu le sauver. Et ma femme aussi a certainement besoin de moi. Vous êtes-vous déjà dit, Farmer, qu'il existe parfois des situations revêtant une plus grande importance que l'amour que nous éprouvons envers ceux qui nous sont proches? Non. Non, je ne me dis jamais ça. Tâchez de rester en vie, Farmer. Votre roi a besoin de vous. Bien plus encore qu'il le sans doute. Comment connais-tu l'existence de ce pont? Quand j'étais petit, je venais souvent me promener par ici. Descendre nous ferait perdre une journée. Alors que va-t-on faire? On traverse. Décharger le matériel. Tu vas abandonner les chevaux ici? Tu as peur qu'ils s'ennuient de ne plus nous voir? Entrez à la maison! Allez, allez, allez.
c'est à moi. Tu ne manques pas de courage. C'est juste que j'ai pas envie que tu uses la corde en passant avant moi. Dépêchez-vous! Vas-y, ne traîne pas. Dis donc, ta jument t'inspirait plus de respect. Avec elle, je sais toujours où je vais. Toi, c'est différent. T'en fais pas, attends de mieux me connaître. Voilà qui nous a fait gagner du temps. Votre Majesté. Relevez-vous, soldat. Combien d'hommes sont-ils affectés à la garde? C'est moi la garde, Majesté. Eh bien, prenez garde. Monsieur Fallot, vous êtes un grand coquin. Arrêtez de me tripoter les seins. Ouh là là, je vais le dire à votre maman. Où est-ce que tu vas, hein? Mon neveu Batifol, un peu de tenue. Trouves-tu cela digne de toi? Tu t'amuses pendant que ton roi et ses légions partent en campagne. Je ne t'avais chargé que d'une seule chose. Veiller à la sécurité du château. Et à qui confies-tu cette mission? Un dormeur! Mon oncle, j'avais commencé à mener une enquête sur ces guerriers étranges qui... Je ne veux plus te voir ici. Je m'en charge. Non! Non! Venez, taisez-vous. Lâche-moi! Tu n'es même pas digne d'embrasser mes choses! Et vous? Vous croyez-vous autorisé à souiller la couronne de votre oncle? Ah! Je crois que le roi ne t'a pas confié la mission de me frapper. Aucune loi ne t'autorise à le faire. J'aime beaucoup nos lois. Pour moi, ce sont des jouets. Je les retourne dans tous les sens. Tous nos plans avancent comme prévu. Non, ça suffit, il y a trop longtemps que ça dure. J'en ai assez d'être tout le temps à la merci de ce fantoche sénile et de ses caprices. Maintenant, à toi d'en terminer. Tu veux que je hâte les choses? Bien! L'issue ne tardera plus. Enfin. Caliam, pourquoi faut-il toujours que tu surgisses de nulle part? De nulle part? Chaque fois que je viens de quelque part. Où as-tu pris le droit d'entrer dans ma chambre sans y être invité? Ne bénéficierai-je plus de l'hospitalité que tu m'accordais autrefois? Pas au point de permettre que tu viennes n'importe quand. Et que tu repartes ensuite à l'improviste. Je ne suis pas ta catin. Comment peux-tu croire ça? Tu sais bien que je dois toujours entrer discrètement. Est-ce que tu m'imagines frappant à la porte du château pour demander à te voir? Il est normal qu'on te fasse surveiller. Puisqu'aujourd'hui, mon père voit en toi un ennemi du roi. J'ai des amis ici. Des amis influents. Mais pourquoi mon père te méprise-t-il tellement? Il est connu pour être très perspicace. Assez de questions! Je ne suis pas venu pour subir un interrogatoire. Ton père me déteste, parce que jamais je n'accepterai de me vautrer aux pieds du puissant souverain et de son mage. Je ferai de lui ce que bon me semblera, comme je l'ai fait de la vertu de sa fille.
de bannissement, après tout ce que nous avons accompli? Qui donc t'a révélé tes pouvoirs, ta clairvoyance? Et même le pouvoir de faire des cauchemars. Patience. Majesté, recevez à nouveau mes humbles excuses pour avoir mal compris le sens de vos ordres. Mal compris le sens? C'est ce que tu viens de me dire. Oui. Puis-je m'asseoir, Votre Majesté? À boire! Je sais que... Attends. Je sais que je n'ai pas répondu à votre attente en diverses occasions. Il est possible que je vous ai même déçu et... que j'ai déçu tout le royaume, mais c'est fini, je changerai. J'irai noyer mes erreurs de jeunesse dans le sang des combats qui meurtrissent le pays pour devenir un héritier digne de votre confiance. Tu as su deviner à quel moment, mon neveu, il importait de faire un effort de diplomatie. C'est déjà un signe de discernement. Au plaisir de nos retrouvailles! Pourquoi pas? Mais boire du vin si tôt le matin n'est peut-être pas vraiment de bon augure. Ah oui. C'est très judicieux. Une très longue vie au roi! Oui. La dernière fois, les Krug ont attaqué Stonebridge par le sud. La difficulté du terrain les obligera à contourner le marais par le nord. Nous les coincerons là. Dans la mesure où ces monstres se comporteront comme nous l'imaginons. Je suis inquiet, Farmer. Personne ne s'aventure dans la forêt de Sedgwick. Elle relie les deux chaînes de collines. Nous en sortirons au moment de l'arrivée des Krug. Il n'y a pas que des broussailles et des arbres dans cette forêt. On n'y progresse pas aussi vite qu'on le voudrait. On risque d'être pris par la nuit. Nous avons des torches. Ah, les torches éveillent l'attention. Peu importe. Farmer! Tu sais aussi bien que moi ce qu'on dit. On dit... qu'il y a des choses dans cette forêt. On dit aussi que Dieu veille sur les innocents. S'il fallait croire tout ce qu'on dit, on n'irait jamais très loin, Norik. On se dépêche, on a du chemin à faire. Je ne vois pas de sentier. Il n'y en a pas. Comment tu sais par où passer ? Tout se passe comme prévu, Farmer. On peut descendre
Je vais y réfléchir. Sortez de notre forêt, vous n'avez rien à faire ici. Nous ne voulons pas de vos bagarres ni de vos tueries. On voulait juste traverser. Eh bien, traversez. Et ne revenez jamais. Cette fois, on est vraiment perdus. Les hommes, ils ne servent à rien. Et ils ne savent rien faire. Votre Majesté, de grâce, donnez-moi des nouvelles de mon père. Ton père est en mission, au service de son roi. Majesté, que se passe-t-il? J'ai peur que ses jours soient en danger. Quand on est le mage du roi, on prend des responsabilités. Savoir que sa fille s'intéresse aux affaires des hommes lui créerait un tourment tout à fait inopportun. Mon père pense qu'en étant enfermé dans le château, je suis à l'abri des soucis. Il se trompe. Je sais ce qui meurtrit la cour. Elle n'a jamais connu un tel désarroi. Les ténèbres, elles viennent vers moi. Elles ont été enfantées par la magie. On y va! Et le père s'engloutit dans une folie. Sans remède. Ton père va... Votre Majesté! Galiane, j'ai l'impression que je vais mourir! As-tu mangé à la table du roi? Oui! C'est toi qui as fait ça! Tu m'avais dit que tu étais pressé. Tu voulais que je rate les choses. Il est possible que j'aie épicé la nourriture du roi. Mais c'est moi qui meurs à présent! Tu voudrais peut-être me faire pleurer. Il n'y a pas de problème sans solution. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais est-ce que tu vas te rappeler qui détient le véritable pouvoir ici? Oui. Puisque je viens de te sauver la vie, nous allons voir ce que tu feras pour moi. Le roi a été empoisonné. Vous pensez pouvoir le sauver? Je vais tout faire. J'espère qu'il n'est pas trop tard. J'en fais serment. J'aimerais vous parler. Fallot s'est enfui du château. Il a emmené avec lui 2 légions. Bien, cela nous apprend qui a empoisonné le roi. Dirigeons-nous vers le nord. C'est là que nous rejoindrons nos nouveaux alliés. L'union de nos 2 armées assurera plusieurs générations de paix et de prospérité. Je suis sûr que Galian est derrière tout ça. Pourquoi le général Tarish ne nous a-t-il pas parlé de cette mission? Qui veut à son tour commettre une félonie? Combien de bataillons nous demeurent fidèles? 1/3. J'ai regardé la façon dont se rassemblaient les Krug. Galian réunit toute une armée. Il a fait d'eux une vaste armée. Non. Comment est-ce possible qu'un seul homme puisse causer autant de ravages dans un pays? Ma propre fille? Me trahir en faveur de mon ennemi juré? Me haïssais-tu à ce point?
croyais que je l'aimais. Dalian s'est émissée entre nous deux pour abattre le roi. Tu as fait pencher la balance de la magie en sa faveur et à cause de toi, le royaume peut être perdu. C'est ma faute, oui. Pardonne-moi. Pardon. Si vous ne donnez pas à votre petit chien les mêmes jouets qu'un grand chien, pourquoi lui donner la même nourriture? Choisissez Ultima Petit, la recette adaptée aux chiens de moins de 10 kilos. Psst, psst. Ultima. Alors attention, si je te dis cube, ouais. Jeu, saveur. Apéricube. Apéricube, peut-être le meilleur moment de la journée. Basculer dans un confort absolu. DS4, voyager en French class. Découvrez DS4 sur dsautomobile.fr à partir de 380€ par mois. Nivea Luminous 630 cible tous les types de tâches. Est-ce que ça marche vraiment? Croyez-moi. Pour les marques post-acné aussi? Bien sûr. Le sérum anti-tâches numéro 1 dans le monde. Maintenant pour les marques post-acné et les tâches liées à l'âge. 71% de réduction de l'apparence des tâches. Ça marche aussi pour mes tâches liées à l'âge. Nouveau Nivea Luminous 630, ça marche. Ça va bien se passer, tu vas voir. Ça va bien se passer, tu sais. Voilà, tu parles comme ta mère maintenant. Sur Disney+. C'est un bordel, cette famille. Faut rester positif. Ah, bah je vais faire ça alors. Tout va bien. Nouvelle série originale, seulement sur Disney+. E202. Tu crois que c'est ça qui rend aimable? On ne devrait pas se poser de questions sur ce que l'on mange. Si les savoureuses soupes Liebig se dégustent les yeux fermés, c'est parce qu'elles sont sans additifs, sans conservateurs et cuisinées en France avec 100% d'ingrédients naturels. Liebig, découvrez le goût de la confiance. Et partez à la découverte de nouvelles saveurs avec les recettes Liebig, voyage en Inde et en Thaïlande. Nouveau Febreze Petit Coin. Saviez-vous qu'à chaque fois que vous tirez la chasse d'eau, des odeurs se déposent sur les surfaces textiles? Appuyez fermement pour l'activer. Sans pile ni électricité, Febreze Petit Coin combat les odeurs dans l'air et les empêche de s'installer durablement sur les surfaces textiles jusqu'à 50 jours. En ce moment, 40% remboursé sur toute la gamme Febreze. Préparez les fêtes avec Lindor. En savourant un moment de pur bonheur, un chocolat infiniment fondant. Découvrez la nouvelle recette Lindor, caramel pointe de sel, par les maîtres chocolatiers Lindt. Pourquoi préférer la MAF? À la MAF, comme je suis bon conducteur, j'ai 50% de réduction à vie. Ah ouais? Eh ben oh. Maintenant, vous savez pourquoi je préfère la MAF. Je peux vous aider? Bah, j'hésite sur le reconditionné. Rassurez-vous, ils sont tous vidés, révisés et testés. Ah ouais? C'est le Père Noël qui s'en occupe. Joyeux Noël, mon grand. C'est comment il fait le Père Noël? Mettez un peu de magie et beaucoup de reconditionné dans vos cadeaux. Orange. Pour Ducrot, le temps, c'est important. Notre canal prend son temps, comme Irwan, notre producteur, qui y met tout son cœur. Comme vous, quand vous préparez, mélangez et dégustez. Et que Noël est un rêve parce que vous assurez. Ducrot, on se décarcasse, vous assurez. Vous avez peur de l'hiver? Ayez le réflexe Forte Royal 2000, la plus forte concentration en gelée royale. Pour bien passer l'hiver. Forte Royal 2000 de Forte Pharma, il n'y a pas plus fort. Merci. Ah, la retraite. Merci à tous. Certains ont des projets, mais ne savent pas encore comment les réaliser. D'autres évitent simplement de trop dépenser. En fait, on se pose tous des questions sur sa retraite. Merci, Cerise. Mais le mieux, c'est de les poser à un expert Groupama. Il vous dira quand et avec combien vous partirez et vous aidera à réussir votre projet retraite. Ah, la douce musique des premiers coups de froid. Faites confiance aux capsules nez et gorge Phytosanarome. La puissance de nos huiles essentielles concentrées pour adoucir la gorge et apaiser les voies respiratoires.
Et en cas de nez bouché, spray nasal décongestionnant agit dès la première minute. Dispositif médical. Phytosan Arôme. Puissant par essence, simple par nature. Royal, Best of Royal. Redécouvrez le goût iconique de la gamme Royale, disponible en ce moment aussi en version double viande chez McDonald's. Retrouvez aussi nos produits en livraison. Prêt à défier la ville? Avec le crossover urbain by Toyota. Plus haute. Plus audacieuse. Du 20 au 30 novembre chez Toyota, profitez des offres Black Friday. La Toyota EcoCross est à partir de 99€ par mois, entretien inclus et disponible rapidement. Dis papa, c'est quoi la nouvelle agriculture? C'est notre marque, la marque des agriculteurs. Mon père, il est tellement fort qu'il travaille très très dur pour mieux vous nourrir tous les jours. Papa, 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 y a pas plus fort que toi. Bravo, c'est très bon, je suis si fière de toi. Tous les jours dans nos fermes, nous travaillons pour améliorer la qualité de votre alimentation. La nouvelle agriculture, la marque des agriculteurs. Et aux voleurs, on dit ciao, 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 secteur alarme, réponds aussitôt, en moins de 20 secondes chrono. Secteur alarme, notre réactivité, c'est votre sécurité. Rendez-vous sur secteuralarme.fr pour une installation en moins de 24 heures. Pour mes pâtes visitées, il me faut... des pâtes. Et 2 cubes de Cubor. Et c'est tout. Ah ouais, subtil le chef. Ah merci. Cubor, le petit goût qui change tout. Voilà. Pour le cholestérol, toi aussi? Non, moi je l'utilise pour les triglycérides. Et moi, pour la glycémie. Métarécode, efficace dans le traitement d'une ou plusieurs valeurs altérées. Demandez-le à votre pharmacien. Métarécode est un dispositif médical par Aboca. En ce moment, chez KFC, le poulet croustille deux fois plus. Deux fois plus de kiff avec 2 menus à seulement 10 euros. Pas besoin de le dire 2 fois. KFC. Une mère doit payer le prix ultime pour la liberté de sa fille. The Deal, ce soir à 21h, par le producteur d'Independence Day. Que reprochez-vous aux étrangers? Vous vous détestez tous. Pourquoi devrions-nous vous aimer? Nous restons ici pour nous protéger de vos guerres et de vos querelles et de toutes vos actions stupides. Vous-même, tout à l'heure, vous avez envoyé vos flèches dans nos arbres. Vous ne pensez qu'à blesser tout ce qui vous entoure. Vous ne vous en rendez même pas compte. C'est ce qui vous rend le plus dangereux. Je ne vous emmènerai pas plus loin. Bonne chance. Et là, qu'est-ce que t'as prévu? M'entendez-vous? Oui, je vous entends. Ils apprendront qu'il n'est pas si aisé de tuer un roi. Il faut les attaquer. Mais votre majesté, on vous a empoisonné. Vous n'avez pas toutes vos forces. J'ai amplement de quoi commander. J'ai tous mes esprits. Puisqu'ils ne pensent pas que nous viendrons les attaquer, c'est exactement ce qu'il faut faire. Qui a voulu me tuer? Je pense que c'est votre neveu, le duc Fallot. Et il y a pire. Il a abandonné le château en emmenant la garde, ainsi que la 2e et la 3e légion. Eh bien, passons à l'attaque. Dès l'aube, préparez vos troupes.
Combien de temps me donnez-vous? La mort vous livre un corps à corps. Mais le temps qu'il vous reste suffira. T'es sûr de ton coup, Norik? Pas du tout. Par là. Elle est pas loin. J'en suis sûr. Cette fois, je te crois. Solana. Aujourd'hui, nous combattons pour le roi. Et notre roi luttera fièrement au nom du royaume! Votre Majesté. Ceux qui meurent pour l'honneur et la vérité! Tu m'intrigues, Farmer. Je sens que tu es un danger. Mais je ne lis rien en toi. Je lis en presque tous les hommes et dans les entrailles sanglantes. Mais toi, je ne vois rien dans la menace de ton regard. Que veut-elle me dire? Qui es-tu? Certaines énigmes ne méritent pas d'être résolues. Je croyais faire un cauchemar. Où est Farmer? Où est Zeph? Bastien, où est Zeph? Il est avec nos parents. Oui. Il est avec eux, mais... nous ne les reverrons plus. Ils ont été tués tous les trois le jour de l'attaque. Je suis désolé. Pas mon enfant! Ah, non, non, il a souffert! Reviens! Dis-le-moi! Non! Il n'a pas souffert. Farmer va arriver. Il te retrouvera. Comment le sais-tu? Parce qu'il doit le faire. Parce qu'il t'aime. Il viendra, je le sais. Oh.
lui ce qu'il a de plus cher. Ton heure n'est pas arrivée, Farmer. Tu as trop de choses à faire. Tu ne me sembles pas en bon état. Allez, prends un peu de ça. Quel goût ça? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une potion. Allez, bois. Soyez les bienvenus chez moi. Votre père ne vous en accuse pas, il vous aime. Je suis trop stupide, je ne mérite pas la vie qu'il m'a donnée. Attenter à vos jours lui infligerait une peine bien plus grande. Oui, peut-être. J'avais tellement voulu que mon père soit fier de moi. Je sais qu'il l'est. Il n'aime que l'image qu'il se fait de moi. Voici nos nouveaux alliés. Ce sont des Krug. Obéissants, implacables, ils ne posent aucune question. Vous avez devant vous la plus terrifiante des armées. Emmenez cet homme. Mettez-le sous la tente du roi. Et donnez à manger à mon cheval. Oh. C'était ça, votre mission si urgente? C'est le fermier qu'on a vu à Stonebridge? C'est lui. Et pourquoi un manant qui a refusé de rejoindre l'armée mérite-t-il tant de sollicitude de la part du mage du roi? Parce que la vie de ce manant a pour le roi un intérêt capital. J'ignore en quoi il serait capital. Le roi aussi l'ignore. Il m'a semblé que l'heure était enfin venue de vous présenter l'un à l'autre. C'est déjà fait. Le jour où il a refusé de rejoindre mon armée. J'avais un devoir à accomplir. Je crois que votre majesté devrait s'intéresser à ce fermier. Il a affronté de très grandes épreuves depuis Stonebridge. Tout le monde en a affronté. Qu'est-ce que cet homme a de particulier? Cet homme, votre majesté, est votre fils. Mmh.
Il a un ami, du nom de Norik. Ce Norik était l'écuyer de la reine. Je l'ai reconnu quand nous étions à Stonebridge. Après le massacre d'Oxley Pass, Norik a recueilli un enfant d'environ 3 ans qui errait en pleurant sur le champ de bataille. Il n'y avait qu'un seul enfant à Oxley Pass. Que penses-tu de ce qu'il vient de dire, Farmer ? Un homme croit identifier un garçon qui a disparu il y a plus de 30 ans. Et le roi doit en faire son héritier. Vous êtes bien le fils du roi et l'héritier de la couronne. Je suis orphelin. Je n'ai aucun parent. Rien ne me retient ici. Croyez-vous que ce paysan arrogant puisse vraiment être mon descendant ? Cela fait 30 ans qu'il vit reclus, à l'abri du monde, dans une ferme de Stonebridge. Il semble bien. Il semble bien. Vous m'aviez affirmé qu'il avait péri au cours du massacre avec tous les autres ! Dans quelle triste comédie les dieux me font-ils jouer ? Il est possible qu'il sache ce qui est vraiment meilleur pour nous. Pourquoi aurait-il voulu faire ça ? Le royaume se trouvait dans le pire des chaos. La guerre frappait partout. Les ennemis nous encerclaient. Si on avait ramené cet enfant au château d'Ebb, combien de temps aurait-il survécu ? En grandissant à la campagne, il est devenu plus vigoureux. Puis, cela l'a mis enfin à l'abri des ennemis qui n'auraient pas raté la moindre occasion de vous enlever votre héritier légitime. Mon ami, puissiez-vous voir juste cette fois-ci ? J'aimerais que vous ayez raison. Le roi va avoir besoin de tous les hommes en état de se battre. Ce n'est pas mon problème. Son royaume est menacé. Votre royaume est menacé. Je ne connais pas ce roi. Solana est ma seule famille. Avec Norik et Bastien. Eux sont mon univers. Mais où vivrez-vous ? Une fois que le royaume sera à Galian, comment comptez-vous pouvoir assurer le bonheur de votre épouse ? Réfléchissez. Fallon, vous avez commis une félonie. Vous n'avez rien à faire ici. Tout homme qui se mettrait sous votre commandement serait aussitôt considéré comme complice. Nous n'épargnerons aucun félon. Soldat, le général Tarish a empoisonné le roi. Et il m'accuse, moi, de félonie. Ta prétention n'a pas de limite, Tarish. Dorénavant, le royaume d'Eb, c'est moi qui le commande. Nous vous intimons l'ordre de vous en aller. Ne montera pas sur le trône, mon neveu, parce que tu es un pleutre. Tu ne régneras ni aujourd'hui, ni demain. La deuxième et la troisième légion sont avec vous, votre majesté. Poltron ! Les Krug n'ont pas d'archers, mais ils ignorent la peur. Ils nous surpassent en nombre, mais nous, nous sommes des humains, et nous servons un noble royaume. Ce sont des bêtes assoiffées de sang, et rien de plus. Vous vous acquittez de votre devoir ? Je me joins au combat. Je serai fier que vous vous battiez à mes côtés. Je ne manquerai pas de veiller sur vous.
La garde. Vous, général. Allez-y. Général, envoyez vos hommes! Soldats, en avant!
Lâchez! Tirez! Tirez! Ils se battent comme des bêtes enragées. J'imagine qu'ils ont encore du renfort. Vous avez gagné une bataille, mais vous n'avez pas gagné la guerre. Nous gagnerons d'autres batailles! Vous avez tué ces Krugs! Mais je vous en réserve beaucoup d'autres. Christwind, est-ce ici que nous devons payer pour toutes nos fautes? Non, Rig. C'est là où nous devrons payer pour notre vertu. Car c'est la vertu qui est une faute ici. Ton heure est venue, cher oncle. Emmenez-le. Il me reste à vous dire adieu, cher oncle. Allons-y. Fait que gagner un peu de temps. Je ne
veux pas vivre comme eux. Mais on vit déjà comme eux, on est esclaves. Je ne veux pas être esclave. Norik, prends sur toi. Pourquoi traversons-nous la forêt de cette jouée, Sire? Nous en sortirons à la hauteur du château d'Eve. Il n'y a plus d'armée ni de garde. Aucun risque que le château nous résiste. Oh. Partons immédiatement d'ici. Regardez qui est là. Quel plaisir de revoir une charmante amie de la famille. Toute seule en pleine forêt, est-ce que tu n'as pas l'impression d'être vulnérable? N'approche pas, Fallon. Tu n'as jamais réussi à me faire confiance, Muriella. Ton comportement n'a jamais été digne de ma confiance. Comportement? Digne de ta confiance? Ce sont des mots qui n'ont de sens que dans un château. Et nous ne sommes plus dans un château maintenant. Il n'y a plus aucune règle. Oh. Laisse-moi te l'offrir en cadeau. Merci. Il y a des règles partout, mon cher duc. Et ce qui te perd aujourd'hui, c'est de ne pas les avoir respectées. Je le prends avec moi. Bien battu aujourd'hui. Il fallait les massacrer. Le courage peut rendre cruel. Oui. Quelle que soit la mission qui te sera confiée, il faudra réussir. Les efforts, ça me connaît. Cette qualité te sera utile
le jour où tu deviendras roi. D'après toi, comment se fait-il que tu te sois battu avec tant de succès aujourd'hui? Tu penses que c'était de la chance? Tu as beaucoup de qualités. Tu as l'étoffe d'un chef. Et bien sûr, tu n'es pas hypocrite. Cela t'aidera beaucoup. La sagesse doit toujours guider le marteau de l'artisan. C'est elle qui lui permet de taper avec prudence. Pour des hommes qui ont mené leur vie, honnêtement, qui n'ont rien à se reprocher. Le courage ne manque jamais, c'est ça. Où l'avez-vous entendu dire? Je le disais à mon fils, tous les soirs, quand il était enfant. Je ne l'ai dit qu'à lui. Sache que désormais, les choses vont devenir plus difficiles pour toi. Je ne suis qu'un simple fermier. Oui, oui. Je ne sais rien faire d'autre. Est-ce que tu connais le petit village qui est à quelques encablures d'ici? On fait 2 récoltes par an chez eux. Ça doit épuiser leur sol. Non, non, leur terre n'a rien à craindre parce que les gens la mélangent avec des algues. Ces algues sont déposées par l'océan et ils les ramassent. Elles enrichissent le sol de ce village. Tu devrais aussi en utiliser. Comment savez-vous tout ça? Parce que c'est moi le roi. Et parce que je suis censé savoir absolument tout sur ce qui se passe dans le royaume. C'est aussi ce qu'on te demandera. Aussi longtemps qu'il y aura des rois, aussi longtemps qu'il y aura des terres, les hommes continueront de s'entretuer. Toutes ces batailles pour quelques lopins de terre. Pourquoi s'engager dans des guerres qui ne finiront jamais? Toi, tu t'es battu pour la paix. Mais la paix n'est rien d'autre qu'un rêve. Continue de rêver, et peut-être qu'un jour, quand tu seras roi, la paix deviendra une réalité pour toujours. Vous ne semblez pas comprendre. Ces batailles m'ont fait perdre mon enfant. Elles m'ont aussi fait perdre le mien. Général, Alette. Oui, sire. Envoyez un éclaireur au nord de la forêt. Autant savoir ce qui nous attend. Très bien, sire. Général. Oui. Regardez. Ça, alors. Jolie capture. Jamais je n'aurais imaginé ça. Duc Fallot doit affronter la justice. Je parie que le roi est encore vivant. Général Buckler, je vous prie de lui donner votre épée.
sans armure. Un duel? J'adore ça. Tu te souviens pas de la raclée que je t'ai donnée quand on était gamin, Tarish? Quelqu'un aurait un petit verre de vin. Personne ici ne veut aider son roi à ôter son armure? Pleutre. Ce dernier duel. Vous n'en vivrez plus jamais d'autres, Falor. Commandant Tarish, tu me dois l'obéissance. Tu voudrais tuer le nouveau roi d'Eb? Aucun courage. Mes sujets du royaume d'Eb! Vive! Vive le roi! Ipipipoua! Ipipipoua! Range-moi cette chose. Citoyen du royaume d'Eb! Soldat du royaume d'Eb! Notre bien-aimé roi Conrad est passé dans l'autre monde il y a quelques instants. Oui. Il a été assassiné par son neveu! Dans le seul but de lui ravir sa place. Comme le veulent nos lois, ce sont les liens du sang qui nous permettent de déterminer qui sera notre nouveau souverain. Laissez-moi vous annoncer de qui il s'agit. C'est le fils caché de Conrad, Camden Conrad, plus connu sous le nom de Farmer. S'il vous plaît, relevez-vous. S'il vous plaît, relevez-vous. Votre roi vous a demandé d'affronter la mort. Vous qui avez survécu, vous avez contribué à notre victoire. Mais notre ennemi est toujours vivant. Il va reprendre des forces et préparer un nouvel assaut. Ce soir, nous allons panser nos blessures et mettre nos morts en terre. Demain, nous marcherons sur le camp de Christwind. Nous irons chercher le diable dans son antre. Allons chercher le diable dans son antre. Que Dieu soit avec le roi.
Quoi encore? Mettez-les hors de ma vue! Emmenez-les avec les autres! Attendez! Faites-la avancer. Sortez! Je le sens. En vous. Farmer. Il viendra vous voir ici, c'est parfait. Je n'ai plus qu'à patienter un peu. Je n'ai pas d'intérêt pour vous. Oui, mais lui m'intéresse beaucoup. Parce qu'il est plus qu'un fermier. Il est bien plus dangereux pour moi qu'un simple fermier. Approchez-vous de moi. Que savez-vous sur moi? Je sais tout. Ne bougez plus. Ne bougez plus. Je sens que Farmer est en vous. Parce que vous portez son fils. Et vous portez son fils. Me prendre chez moi. Tu retrouveras ta maison. On va mourir ici. Comment lutter contre une armée aussi nombreuse? Le petit poignard peut réussir là où la grande épée a échoué. Mage, cessez de parler par énigme. Même une force modeste peut percer la barrière formée par les Krug et venir à bout du problème à sa source. Laissez-moi affronter ce Galien. Et je le tuerai. Sire, sauf votre respect. On s'apprête à remuer ciel et terre pour sauver une femme alors que c'est tout un royaume qui est en danger. Mais si le roi veut sauver son épouse, il lui faut d'abord tuer Galien. S'il parvient à le tuer, le royaume entier sera sauvé. Muriela. Maintenant, c'est à vous. Votre Majesté. Je veux participer à la mission, j'aimerais me battre à vos côtés. Nous avons déjà parlé de cela, alors rentre vite au château. N'oubliez pas qui est mon père. Je servirai le roi avec autant d'ardeur que lui. Vous avez capturé son meurtrier. Je n'ai eu aucun mérite. Nous avons besoin d'être nombreux si nous voulons gagner. J'accepte votre offre. D'autres gens veulent se joindre à moi. Qui sont-ils? Laissez-moi vous montrer. Vous avez réussi à en réchapper? Je n'ai pas fait grand-chose. Ceux contre qui vous luttez? Ceux qui contrôlent les Krug. Nous voulons vous aider à les combattre. Pourtant, vous refusez de vous mêler des affaires des hommes. On se rend bien compte que le conflit est en train de s'enliser. Notre forêt est régulièrement prise d'assaut et brûlée, alors nous n'avons pas le choix. Nous nous battrons à vos côtés, si vous nous promettez de nous laisser tranquilles ensuite.
En ce moment chez McDonald's, savourez les Wavy Fries, disponibles dans tous nos menus. Ah, la douce musique des premiers coups de froid. Faites confiance aux capsules nez et gorge phytosonarome. La puissance de nos huiles essentielles concentrées pour adoucir la gorge et apaiser les voies respiratoires. Et en cas de nez bouché, spray nasal décongestionnant agit dès la première minute. Dispositif médical. Phytosonarome. Puissant par essence, simple par nature. Chaque instant de votre vie est précieux. Ceux avec vos proches. Ceux avec votre partenaire. Ceux avec le reste du monde. Tous ces moments sont uniques. Pour les fêtes, célébrez chaque instant. Avec des cadeaux à Lando. Enrhumé ? Il y a Vicks-Inhaler. Avec Vicks-Inhaler, soulagez votre nez bouché. Vicks-Inhaler libère le nez bouché. Vicks-Inhaler. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. La douceur de Lénore est d'origine végétale, avec une fraîcheur longue durée vraiment irrésistible. J'ajoute les adoucissants Lénore dans chaque lavage. Ils gardent mes draps incroyablement frais, soir après soir et pendant toute une semaine. Une bouteille contient 55 lavages pour des draps ultra frais pendant une année complète. Je me sens bien en Lénore. Basculer dans un confort absolu. DS4, voyager en French Class. Découvrez DS4 sur dsautomobile.fr à partir de 380€ par mois. Le parfum de linge Lénore Unstoppable. Attends un peu. Eh oui, le voilà, le waouh de fraîcheur. Jette juste ces petites perles de parfum dans ta machine à chaque lavage pour un waouh de fraîcheur qui n'en finit pas. Ça, c'était un bon waouh. Même ses chaussettes. Encore waouhment fraîche. Oui, et même à la fin de la journée, il profite encore de ce waouh si frais. Lénore Unstoppable, le waouh de fraîcheur qui n'en finit pas. Personne n'a envie de faire la vaisselle. Pas vraiment, non. On fait une partie ? Parents contre enfants. Ceux qui perdent font la vaisselle. Vous avez 20 secondes pour la prendre en photo. Mais maman ! Merci, ma chérie. Prochain jeu, on les éclate. Attends, c'est pas gagné encore. En avant la maison ! Allez-y ! Asseyez-vous ! Maintenant, c'est entre toi et moi. Faites bouger votre vie de famille. Asseyez-vous ! La cuisine, c'est par là-bas. Hein. Avec Everybody Want to Switch sur Nintendo Switch. E202. Tu crois que c'est ça qui rend aimable ? On ne devrait pas se poser de questions sur ce que l'on mange. Si les savoureuses soupes Liebig se dégustent les yeux fermés, c'est parce qu'elles sont sans additifs, sans conservateurs et cuisinées en France avec 100% d'ingrédients naturels. Liebig, découvrez le goût de la confiance. Et partez à la découverte de nouvelles saveurs avec les recettes Liebig, voyage en Inde et en Thaïlande. Bien, ça va sinon ? Je suis pas inquiète. Sur Disney+. Je suis là pour ma fille, mais rien du tout, hein, bobo. Les épreuves rendent plus humains. Ça va bien se passer, tu sais. Ça va bien se passer, tu vas voir. Pas forcément meilleur. C'est un bordel, cette famille. Tout va bien. Une nouvelle série originale, seulement sur Disney+. Quel sera votre prochain plaisir société ? Roquefort Société, un plaisir inégalé. Pour vos cheveux secs, nouvelle formule Expert Nutrition Franck Provost. 3 fois plus concentré en actifs de soins, sans silicone. Mes cheveux sont nourris, encore plus brillants. Des cheveux qui me ressemblent et me donnent confiance. Nouveau Expert Nutrition par Franck Provost. Pour Ducros, le temps, c'est important. Notre cannelle prend son temps, comme Irwan, notre producteur, qui y met tout son cœur. Comme vous, quand vous préparez, mélangez et dégustez. Et que Noël est un rêve parce que vous assurez. Ducros, on se décarcasse, vous assurez. Quand Florence est venue nous voir chez Grand Litier, elle dormait vraiment mal. Alors, on lui a conseillé un matelas avec un soutien ferme et un accueil enveloppant. Et le conseil sommeil en plus, notre tutoriel d'étirement avant de se coucher. La nuit porte conseil. Nous aussi. Grand Litier. Pour mes pâtes revisitées, il me faut des pâtes et 2 cubes de cubes or. Et c'est tout. Ah ouais, subtil le chef.
Ah, merci. Tubor, le petit goût qui change tout. Premier signe d'un mal de gorge peu intense et sans fièvre, essayez Strepsils Lidocaïne. Avec sa double action locale, anesthésique et antiseptique, Strepsils Lidocaïne cible la douleur pour vous soulager rapidement. Strepsils Lidocaïne pour un soulagement rapide. Strepsils Spray Lidocaïne, découvrez également sa double action en format spray. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Dis papa, c'est quoi la nouvelle agriculture ? C'est notre marque, la marque des agriculteurs. Mon père, il est tellement fort. Qu'il travaille très très dur pour mieux vous nourrir tous les jours. Papa, 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 y'a pas plus fort que toi. Bravo, c'est très bon, je suis si fière de toi. Tous les jours dans nos fermes, nous travaillons pour améliorer la qualité de votre alimentation. La nouvelle agriculture, la marque des agriculteurs. Merci. Ah, la retraite. Merci à tous. Certains ont des projets, mais ne savent pas encore comment les réaliser. Certains font croire qu'elle est encore loin. D'autres ne savent pas quelle option choisir, et du coup, ils ne font rien. D'autres évitent simplement de trop dépenser. Et moi, ma retraite, il serait peut-être temps que je m'en occupe. J'ai bientôt 40 ans. Enfin, 42. On se pose tous des questions sur sa retraite. Merci, Cyril. Mais le mieux, c'est de les poser à un expert Groupama. Il vous dira quand et avec combien vous partirez, et vous aidera à réussir votre projet retraite. Côte d'Or sélectionne les fèves de cacao à l'arôme le plus intense. Révéler le goût authentique du chocolat et nos émotions les plus vraies. Côte d'Or, le goût des vraies émotions. Nouveau, craquant, croustillant, gourmand, ce n'est pas juste une nouvelle tablette, c'est une nouvelle sensation. Et aux voleurs, on dit ciao, 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 secteur alarme, répond aussitôt, en moins de 20 secondes chrono. Secteur alarme, notre réactivité, c'est votre sécurité. Rendez-vous sur secteuralarme.fr pour une installation en moins de 24 heures. Eastwind. C'est le refuge le plus sécurisé de Majorland. C'est-à-dire ? Ces portes sont inviolables depuis l'extérieur. Vous pouvez y accéder ? Un mage se passe de porte pour entrer. Je trouverai ce passage. Vous pensez avoir de la chance d'être toujours en vie ? Moi, oui. Ma vie n'a jamais été aussi intéressante. Tous ces pauvres gens qui sont venus avec moi, pourquoi ne pas les libérer ? Vous ne voudriez pas que le monde sache qu'aussi puissant que vous êtes, vous avez de la miséricorde. Mais vous n'avez rien compris. Je me fiche de la miséricorde. Je suis par-delà le bien et le mal, parce que ces idées sont infantiles et ridicules. Je suis en train de renverser les schémas de ce vieux monde. Si je faisais un geste envers vos amis, ce serait une faiblesse. Un seul ? Non, aucune exception à la règle, ni pour eux, ni pour vous. Ni pour Farmer, pas non plus pour votre charmant garçon dont j'ai déchiqueté les entrailles une à une. Tuez-moi ! Tuez-moi ! Je n'ai pas l'intention de vous tuer. Vous êtes précieuse. Vous pouvez mourir puisque vous saignez. C'est possible en théorie. Mais je ne vais pas mourir. Je n'ai pas encore accompli mon œuvre.
Là-haut. Grâce à elle, l'air peut s'infiltrer. Et maintenant, je dois vous quitter. Je ne veux pas que tu y ailles seul. S'il reste une once de raison dans la caboche de ce mâche-fou, je dois tout faire pour y accéder. On ne peut pas raisonner le diable, Merrick. J'espère seulement pouvoir le distraire un peu. J'attendais ta venue. Nous étions amis autrefois. Mais tu as beaucoup changé. Ah oui? Sont d'autant plus forts qu'il sert bien son roi. Comment se fait-il que tu réussisses alors qu'au contraire tu es son adversaire? Que dis-tu de mes Krogs? Des créatures abominables et cruelles. Ce que tu dois savoir sur les Krogs, c'est qu'ils n'ont jamais eu de roi. Alors tu sais ce que j'ai fait? Je redoute ce que tu vas dire. Je me suis proclamé roi. Je suis le roi des Krogs. Je travaille au service d'un roi qui mérite ma plus grande dévotion. Moi. Ça suffit! Galéan, toi et moi sommes les deux derniers mages sur Terre. Je te supplie de bien vouloir admettre que tu as sombré dans la folie. Tu n'as aucune idée à quel point la folie peut rendre puissant. Le mot folie n'existe pas. C'est un autre terme qu'on utilise. Oh. Puissance. Chargez!
Il est ici. Il est arrivé. Notre duel va enfin pouvoir commencer. Muriela. Muriela. Je me demande ce qui a bien pu me prendre. Pourquoi ai-je été aussi bête? Pardonne-moi. Mage Muriel recueille les derniers pouvoirs qu'il me reste. J'ai cru comprendre que tu étais devenu roi. On n'a jamais vu deux rois se partager le même royaume. De même qu'il est rare que deux rois s'affrontent en duel, qu'ils aient la faveur de se repaître du sang de leur pire ennemi. Veux-tu te battre? Ou cherches-tu à me tuer avec de belles phrases? Tu as besoin de magie pour me battre? Où est ton honneur? Ah!
Ta magie ne peut rien contre ma vengeance. La vengeance qui t'aide à trouver ta force, Farmer. La vengeance d'un père éploré. La vengeance d'un mari. À moins qu'il ne s'agisse de la vengeance d'un roi. Vous avez oublié la vengeance d'une mère. Chose que j'ai toujours voulu te dire. Je t'aime. Like this, when visions come true, would you believe in a tale like this, a lay of bliss, praise of the old law, come to the blazing fire and see me in the shadows, see me in the shadows, songs I will sing of runes and rings, just hand me my heart, this night turns into myth. Nothing seems real, you soon will feel, the world we live in is another scar. Dream in the shadows, dream in the shadows. Do you believe there is sense in it, is it truth or myth, they're one in my rhymes. Nobody knows the meaning behind the weaver's line. Well, nobody else but
carrion bird and the hall of the slain. Nothing seems real, you soon will feel. The world we live in is another scorn. Breathe in the shadows. Direction vos postes de combat. En ce moment sur Universal Plus. Tu veux me montrer ? Embarquez pour un voyage au pays des merveilles. Oh. Des moments privilégiés. Ça va te dépoter. J'aurais dû mettre du mascara waterproof. Et totalement imprévisible. Ne manquez pas. Une cargaison de séries où chacun trouvera son bonheur. Disponible sans frais supplémentaires. Embarquez pour l'inattendu. Universal Plus.